Les internautes ont été conquis par la dernière photo que Margot, grande maestro de N'oubliez pas les paroles, a postée sur Instagram, depuis son lieu de vacances à l'île Maurice. Les fans de Margot sont sous le charme. Les téléspectateurs ont fait la rencontre de la jeune femme originaire de Bretagne il y a plus de 3 maintenant, lors de sa participation à N'oubliez pas les paroles sur France 2. Un parcours dans le karaoké géant de Nagui, très remarqué puisqu'elle avait réussi l'exploit de détrôner le redoutable Kevin de la première place du classement des plus grands maestros de l'histoire, grâce à ses 59 victoires, mais surtout à sa coquette cagnotte de 530 000 euros. Une position haut du podium qu'elle occupe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Ce qui lui vaut le surnom de Reine Margot. Une sirène, tu es superbe ces derniers jours, la passionnée de chant a choisi de fuir la grisaille de l'Hexagone, et de s'envoler vers pour l'île Maurice, où elle semble passer d'agréables vacances ensoleillées. Si est-il en tout cas ce qu'on remarque sur la dernière photo qu'elle a partagée sur son compte Instagram, ce mardi 7 mars 2023. Elle apparaît à bord d'un bateau, prenant la pose dans un bikini rose à fleurs bleues. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que ses abonnés sont conquis. Beauté, a commenté Dembélé Caroline, la deuxième plus grande maestro, quand d'autres internautes la complimentent également, « Tu es magnifique, profite bien de tes vacances, absolument canon, le soleil te va si bien, magnifique notre reine Margot » peut-on lire sous le poste. Plusieurs fans tentent aussi une jolie comparaison, « Ma sirène favorite dans son habitat naturel, une sirène, tu es superbe », certains osant même des jeux de mots, « La, sirène Margot. Le beau projet de Margot. » La jeune femme, qui a d'ailleurs révélé dans une story avoir croisé le présentateur Denis Brognard, qui naviguait sur un bateau voisin, a récemment fait une très belle annonce à ceux qui lui sont fidèles. Elle effectivement a choisi de se lancer de manière professionnelle dans la musique. Margot a donc donné rendez-vous à ses fans sur les scènes bretonnes, pour commencer, et à l'occasion lors de dates exceptionnelles à travers la France, et qui sait, peut-être un jour à l'île Maurice. À lire aussi Margot, N'oubliez pas les paroles, annonce une très bonne nouvelle à ses fans. Photo, Viewsis post ton Instagram à post shared by Margot @margot-basèche.